was very, very shocked last year when I saw the news that so many people opposed gay marriage. In the UK, it was so different from that. So well into, when Into LGBT invited me to be Lila Marin, I was so proud to accept this role for this year. And I'm here representing the straight community. So I want my brothers and sisters to have the same rights that I have, the same freedom without prejudice or judgment. You know, so that's why I'm here today, for 100% equality. Pour tous, il y a eu l'adoption, il faut pas nier qu'il y a eu des progrès, on n'y est pas pour rien. Mais la PMA, à mon avis, est un point de fixation. Je suis d'accord avec cette... cette colère, parce que vraiment, c'est la reculade à tous les niveaux. Hein. On cède à la manif pour tous. On revient sur la PMA, maintenant c'est la BCD. On a été obligé d'accepter l'inscription des enfants nés par GPA parce qu'on a été condamné par la Cour européenne. Il faut, enfin, bientôt, on va faire totalement la politique de droite et on n'ira pas loin. Hein. Il y aura beaucoup plus de gens qui resteront au lit chez eux et ne voteront pas. Et puis le FN, il n'a pas besoin de tout ça, il monte tout seul. S'en prendre au Parti socialiste est totalement injuste, puisque c'est le Parti socialiste qui a, avec les associations, porté aussi la revendication sur le mariage. Et beaucoup de militants socialistes sont en faveur de la PMA. Donc je pense que c'est un mauvais combat. Pour autant, il faut continuer à progresser sur l'égalité. C'est le sens de ma présence ici. Au-delà du mariage, il faut aussi faire en sorte que la PMA soit acceptée. Ça, c'est une position personnelle que je porte depuis longtemps. Donc voilà, il faut continuer. Dire qu'il y a des gens du PS qui sont des traîtres, c'est quand même très exagéré et très injuste. Parce que l'année dernière, c'était une bataille très longue et pas facile sur le mariage pour tous. Elle a fracturé la France en deux. On a pris ce risque. On l'a pris parce qu'on pense qu'il fallait le prendre. Je peux comprendre aujourd'hui que le gouvernement essaye de ne pas élargir encore la fracture ou relancer la bagarre là-dessus. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien passer à la PMA, ça c'est sûr. Hello, I love Paris. À terminer cette bataille infernale sur le sida. Là aussi, il y a de la discrimination, il y a des gens qu'on laisse pour compte, il y a des gens qu'on n'aide pas. Donc nous le faisons au niveau de la région, mais je veux dire, il faut que ça soit partagé par tout le monde. Et au-delà, c'est tout ce qui est la discrimination à l'entrée à l'emploi. Il y a beaucoup d'homosexuels, par exemple, qui souffrent encore
d'une certaine forme de discrimination et de préjugés dans l'entreprise. People's sexual orientation, it shouldn't be that that makes the difference and changes the legal rights in every sector.